Le DMH. Le DMH. Qu'est-ce qui se passe? Tranquille quoi, ici OTT, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Paolo Violi, a.k.a. le Playboy Game, a.k.a. Mario Bros, a.k.a. le retour du Mag, a.k.a. Chaka Zulu, a.k.a. l'héritier de la RDC, a.k.a. l'enfant sacré d'Afrique, le hors-la-loi Zaïrois, le seigneur Corleone, le maire d'Hochelaga, le baron du Québec, l'empereur du Canada, le commando bionique, Jules César, alias Bernard Tapie, de Last Don King Africanisme, le guerrier de l'ombre, le gardien de chèvres, Master Kush, le rebelle congolais, Stone Cold, je continue, Iceberg Slim, Alexandre McQueen, a.k.a. le roi incontesté de Montréal jusqu'à la preuve du contraire. Ok. Ça, c'est une interview qui commence, ma parole. Ça commence solide, ça super bang dès le début. Moi, quand j'ai appris à te connaître en tant qu'artiste, c'était avec Goldbiz. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Goldbiz? Est-ce que c'est une clique? C'est un label? Non, c'est quoi exactement? Avant ça, c'était. J'ai commencé avec un groupe, Oxmelly, qui m'ont introduit vraiment dans les shows, dans les studios. Le groupe Oxmelly à l'époque, pour ceux qui connaissent. Et après ça, j'ai fait mon propre groupe, Jamais 203. Et après, j'ai rassemblé un peu tous les Congolais, les Zaïrois de Montréal, et on a créé la Z Mafia, section Z. Ouais, je me rappelle de ça. Et on était vraiment beaucoup. Et on est resté deux à la fin. Il y a un ami qui est mort, il s'appelle Francky, qui repose en paix. R.I.P. Et après ça, section Z, on a tellement bougé. On a même gagné un concours à l'époque qui s'appelait Hip Hop Forever. Ok, je me rappelle de ce concours-là. On était les premiers en français, un groupe français. On est allé en France, à Bobigny, en 2001. Nice. En 2001, on a bougé. Quand on est revenu, là-bas, c'est là qu'on a rencontré. On a vu Rof pour la première fois avant qu'il explose. En 2001, je parle. Zoxy, Lord Co-City, La Brigade. Il y avait beaucoup de gros groupes à l'époque. Nous, on était des débutants. On nous a mis avec des grands. Donc, on a eu un... Ça nous a choqués. Donc, quand on est revenu, on a voulu plus s'améliorer, être du niveau des Français parce que le niveau était trop haut. Et on a créé la Goldbiz. La Goldbiz était comme une clique, un label en même temps et une famille. Dans la Goldbiz, on avait Rolly Datid, on avait Kilafo, on avait Toxtal, on avait Equinox, on avait Stan, on avait Rime Organisé. Manu Militari était Goldbiz aussi avec le groupe Rime Organisé. On avait D-Boy et on avait Forcé aussi. Je me rappelle.